Que Jésus-Christ entre dans votre cœur ce matin. Il est là, Jésus a prié la première fois. Il faut qu'il devienne le Seigneur de votre vie. Il faut qu'il pour changer le cours de ton histoire. Pour changer ta destinée. Il est là, pour te restaurer. La seule condition, c'est de l'accepter comme sauveur du Seigneur. C'est la seule condition qui permettra à Dieu de s'occuper de toi. Sinon, tu ne verras jamais Dieu agir. Vous allez répéter après moi cette prière. Levez les mains. Dites Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je décide de t'accepter comme sauveur et Seigneur personnel. Entre dans mon cœur et fais de moi la personne que tu désires que je sois. Seigneur Jésus. Sans toi, je ne suis rien. C'est vrai que tout ce temps, je t'avais tourné le dos. Mais maintenant, je décide de marcher avec toi. Pardonne tous mes péchés et accepte-moi tel que je suis. Merci de m'avoir accepté. Merci de m'avoir pardonné. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Maintenant, je prie pour vous. C'était Seigneur Dieu, tu es merveilleux et tu es amour. Ton amour incommensurable. Dans ta bonté, tu es monté à la croix. Tu as pris sur toi l'immense poids de nos péchés. Pour ne pas que nous allons tout droit vers l'enfer, tu as pris sur toi nos péchés. Et la Bible déclare que Dieu aimait le monde, qu'il a donné son Fils. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qui est la vie éternelle. C'est toi la vie éternelle en Jésus. Tu es le chemin et la vérité et la vie. Ce soir, ces bien-aimés ont décidé de t'accepter. Viens dans ta souveraineté, entre dans ses cœurs. Viens, pénètre ses cœurs. Tu dis, je suis à la porte d'Apocalypse et je frappe. Celui qui attend ma voix ouvre, j'entrerai chez lui. Je supplie avec lui, lui avec moi. Seigneur, entre dans le cœur de ses bien-aimés qui ont tant besoin de toi. Oui, la main de Dieu vous touche ce soir. Un miracle de Dieu te touche ce soir. La gloire de Dieu vous touche chez toi. Une onction particulière vient sur toi. Comme la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Une onction particulière de Dieu se manifeste ce soir dans ton cœur. Une onction particulière de Dieu. Une onction particulière. Recevez la puissance de Dieu ce matin. Quelque chose se passe dans ton corps. Et dans ton cœur, ce soir, Dieu veut régner sur ta vie. Il veut régner dans ta vie. Il te touche. Je commande aux esprits de vous lâcher. Je commande aux esprits de vous lâcher. Que les forces du mal vous lâchent. Que les esprits lâchent ton mariage. Que les esprits lâchent tes études, ton diplôme, ton argent. Ce soir, je proclame la puissance de Dieu
commande aux esprits de vous libérer. Et je chasse toute forme de programmation sur ta vie. La mort n'a plus sa place. Je déprogramme cette mort. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Un. La puissance de Dieu. Un. Deux. La puissance de Dieu. 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 Commande. Hey, le feu. Le feu. Allez. Le feu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Jésus te délivre. Jésus te délivre. Mets la délivrance. Amenez-la la délivrance. Sa main te libère ce soir. Recevez la puissante main de Dieu. Que vous délivre ce soir. Je bénis ce soir. Une onction particulière vient vous délivrer. Sa puissance vous libère. Je commande à la maladie de vous lâcher. Je commande aux esprits de vous lâcher. La main de Jésus te touche ce soir. Ce soir. Sa main te touche ce soir. Reçois un miracle de la part de Jésus. Reçois un miracle de la part de Jésus. Reçois un miracle de la part de Jésus. Sa main te touche. Sa main te touche. Sa puissante main te touche. Recevez le miracle de Dieu. Ce soir, recevez le miracle de Dieu. Reçois le miracle de Dieu. Jésus vous touche ce soir. Sa puissance te touche. Je veux parler à l'esprit du sida qui t'ont donné. Je maudis le sida dans ta vie. Au nom de Jésus. La sorcellerie a donné fibrome à deux dames. Et Jésus-Christ vous guérit ce soir de l'esprit de fibrome. L'esprit de fibrome. Jésus te guérit ce soir. Jésus te guérit ce soir. Jésus te libère ce soir. Oui, Jésus te libère ce soir. Jésus te libère ce soir. Sa puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu te libère ce soir. Recevez la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Prenez l'enfant d'eau. Jésus te touche ce soir. Ah, Dieu! Lâchez sa vie. Lâchez sa vie. Au nom de Jésus. Sa puissance te touche ce soir. Comment? Sa puissance te touche. Lâche-la. Lâche-la. Lâche sa vie. Allez, libère. Au nom de Jésus. Sa puissance te libère ce soir. Sa puissance te libère. Ce soir, sa puissance te libère ce soir. Jésus te touche. Jésus te touche ce soir. Recevez ouais, la puissance de Dieu. Un, deux, comment aller? Et le problème de Marie de nuit, c'est un esprit de la sorcellerie qui abuse de cette sœur. Ce démon est vaincu. La puissance de Dieu. Il a détruit ta chance. Il a détruit ta chance. La puissance de Dieu te libère ce soir. Reçois la puissance de Dieu. Fais! Allez, lâche-la. Libérez sa vie. Libérez sa vie. C'est un ordre. Oui, c'est un ordre. La puissance de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit consume tes œuvres ce soir. Le feu d'Esprit de Dieu. La puissance de la délivrance te touche ce soir. Comme! Comme! Allez! La puissance de la délivrance te touche ce soir.
Libère-la. Libère-la. Allez. Libère-la. Au nom de Jésus. Tu la libères maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le feu. Le feu de l'Esprit. Le feu de l'Esprit. La puissance de Dieu nous touche ce soir. La puissance de Dieu nous touche ce soir. La puissance de Dieu nous touche ce soir. La puissance de Dieu. Jésus nous guérit ce soir. Recevez la puissante main de Dieu qui vous délivre ce soir. Son esprit vous libère ce soir. Sa puissante main vous libère ce soir. Recevez la puissante main de Dieu. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance maintenant. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissante main de Dieu. Recevez la puissante main de Dieu. Jésus te délivre. Jésus te délivre. Jésus te délivre. Jésus te délivre. Sa puissante main. Recevez la puissance de la délivrance, la puissance de Dieu. Vous délivre ce soir. Dieu vous restaure ce soir. Dieu rétablit de l'ordre dans votre vie. Il rétablit de l'ordre dans votre vie. C'est la fille à qui? Elle a la sorcellerie. Elle a puissante prise de la sorcellerie. Bénissez votre fille, elle a une puissante démon de la sorcellerie. Faites un effort pour venir me voir à 10 ans, on va la délivrer. Merci. Tu veux que je te délivre? Je suis prophète. Tu veux que je te délivre? Pourquoi tu veux que je te délivre? Ça te fatigue. Comment ça se passe? On t'a dit de tuer ton papa. Qui t'a donné? Faut pas avoir peur, dis. C'est ma grand-mère, sa soeur. La soeur, ta grand-mère. Comment elle s'appelle? Abel. Comment elle t'a donné ça? D'en manger. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je vis avec elle? Non. C'est mon détecteur qui fait ça. Amen. Voilà, c'est le détecteur. Oh! On va l'aider. Nous, on aide les gens. Elle a besoin d'être aidée. C'est ce qu'elle dit toujours aux gens. C'est pas parce qu'elle a lâcheté la... S'il vous plaît. La contrainte est dedans. C'est ça le problème. On vous contraint, on vous impose ça. Alors, si Dieu vous tend la main, tenez-la. Amen. Et comment il t'a donné ça? Dans manger, qu'est-ce qui s'est passé? La vieille, une vieille cacane, façon là. Elle a ça. Une vieille qui cacane. Elle a ça. Comment? Oui. Vous savez que le canari de la sorcellerie était dans la couche, ils ont déplacé. Amen. Oui. Ça reste ça, je luttais depuis là. Amen. Dis à Dieu. Le grand, nous on appelle Nida. Nida. Le grand canari là, c'est ici, il vient de manger. C'est pour ça que la cour est gâtée. Maman, cour, mais à cause de moi, il est gâté. Ils ont pris son parti. Sinon, je venais déterrer. Moi, mais elle est déterrée. Et quand un canari est quelque part, tout le monde est canari. Le combat, je livrais.
Il y a quatre personnes attachées dans la cour ici. Mais quoi, mon avocat, les quatre personnes et puis c'est fini. Il va pratiquer la sorcellerie ici. Il va tomber. Il va s'enfler. Un peu de choubière. Viande. Mais poisson, j'ai ni viande. C'est ça. Et puis tu as mangé. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est venue me chercher la nuit. Elle dit quoi? Pour rembourser le crédit. Elle n'a qu'à venir parce que mon papa s'est dit, je ne veux pas. Il traduit ce qu'il dit. Non, il traduit. C'est très important. C'est pas moi qui mets la parole dans sa bouche. C'est pas moi qui mets la parole. Elle dit quoi de donner, papa il est où? Elle dit de manger. Depuis, tu dis quoi? Laissez amener là. Le mot en haut. Et c'est tout. S'il te plaît. C'est toi qui as pris ou c'est elle? Non, elle ne peut pas. C'est toi qui l'a envoyé. C'est comme ça. C'est vrai qu'elle a refusé de tuer ses parents. Mais elle a tué trois personnes. Mais son papa est attaché. Donc c'est ce que je voulais qu'elle dise, il ne faut pas avoir peur. Mais ton papa, tu l'as attaché. Faut pas dire, il est refusé. Non, tu ne peux pas. C'est plus fort que toi. Jamais tu peux refuser. Parle maintenant. Comment tu as brûlé le champ? Faut plus parler dans tes narines, parle dans ta bouche. Il faut lui dire. Dans sa sorcellerie là. Elle a tué trois personnes.
son père qu'elle voit, elle attache. Donc, c'est ce que je veux savoir. Et puis, à ce que l'Esprit de Dieu me dit. Elle a fini par céder, elle a attaché son corps. On veut le défaire. Donc, ma la siama quoi ta yoda et quand Yonis la Sravani, bon, elle est quoi? Un sien? Elle est quoi? Bon, un sien, connaît pas les noms du chico là toujours. Ah, si, ah, vous ne pouvez pas créer de trucs dans le village comme elle n'est pas venue pour ça. Souvent, la tuer. Elle a tué. Ah bon, où tu l'as attaché? Là, vous avez yogra. Tu l'as attaché. Depuis quand il a été attaché? Tu l'as attrapé quand? Si là. On sait déjà. On sait. Depuis quand tu l'as attaché? Si ça, il m'a dit si ça, mais il y a hein? Non, c'est faux. C'est en décembre. Sarah, à mes commis, c'est ma on y a mes clés. Ton papa l'a exercé quand le réel. Un tour, ou amène. N'est-ce pas? Hein? Tu l'aimes beaucoup. Un tour ou amène. Quand le voit, un tour ou amène. Il ne peut pas te frapper. On entre à mes amis. Maintenant, toi, tu ne veux pas dire. Mais là, mais il y a un cas. Il pas, il meurt. Hein? Non, c'est maintenant que tu as des défis. Sinon, tu as des défis. Oh, moi, c'est ce qu'il cherche. Oh, mais il est là. Il laisse pas ça. Mais il est là. Si on laisse, il meurt. Mais on y est, l'autre vie, ça a eu un fou. A priori, il est fou. On t'accuse pas. Donc, c'est quand tu reproches. Mais Améwa, ça dit là-bas. Faut pas cacher. Non, si, si. Ah, ne cache pas. Et qui c'est celui-là qui est trop. Dis, réellement ce qui se passe. Ma mère est trop bien à ça. On n'est pas des gentils. Ma yo, ami comme. Si vous restez là. Elle dit qu'elle a déjà tout dit. Tu as dit que ton papa là. Tu as parlé de Yann, je te dis ça. Mais comment tu as dit? C'est moi qui ai parlé, puis tu as dit oui. Non, mais tu es aussi un Sian, non, Greg. Si ça, les allait à Grosa. Elle et puis sa soeur, elle et puis la soeur de sa grand-mère sont les deux qui l'ont attaché. Comment ils l'ont pris? Si ça va quoi elle est? Pas là, Yo Dida. Pas Dida. Bon, pas français. Tu es française? Tu es française? Faut laisser un français d'habitude. Bon, yo. Non, on a de la pas de notre français là. La nuit qui est mieux. Quand tu dors la nuit, tu transformes en bouffe. Ok, le chef a mis les points de mon papa. Ah, il y a chef là-bas. Donc, à quand vous mettez qui? Il ne faut pas que ça crée des choses. À quand vous mettez tout le monde? Moi, à cause de même à quand vous mettez tout le monde? C'est important que les gens invitent le prophète dans le village. Vous avez peur. Voilà. Vous savez que vous voulez vos canaries là, vous voulez manger, c'est ça? Bon. Mais comment voilà, pour ça, c'est cassé maintenant. Amen. 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 Chacun veut manger sa viande. Quoi on en est dit? Ah, aussi. Alors, quoi qu'on en est dit?
Non, tu dis qu'il vient te chercher, faut parler. Mais non, il y a mes cas, yo, na qu'est-ce qui vous met? Le mangro de OK qui vous met, OK qui vous met. OK qui zuyo, là me manque qui vous met. Traduit. Donc elle dit que la nuit venue, elle se transforme en hibou et sa, la sœur de sa grand-mère se transforme en oiseau. Vous me bloquez quoi? Vous me bloquez quoi? Vous me bloquez quoi? Et puis ils font quoi? Ils vont où? Mais là, ils me ramènent. Et ça va dans le village des sorciers. Et puis qu'est-ce qui se passe là-bas? Ici, frère, frère. Il y a un chef. Donc, quand je vais vous dire tout, ma chef, il y a un chef qui est là. Il dit quoi? Ici, il est là. Mais il y a un chef qui est là. Il n'est pas l'âme de ton papa. Il y a un chef qui est là. Tu as envoyé. Comment tu as pris ça? Il n'y a pas d'un chef qui est là. Comment? Comme cela. Comme cela. Tu as pris l'âme là. Tu as pris l'âme là. Tu as dit, mais voici le. Et c'est ça là. Tu as pris, tu dis, bon, viens de là. Je vais vous dire, ça, il nous a. Ça n'a pas eu de goût. Mais on nous a ça, il n'a pas eu de goût. Donc on a eu de goût. Ils ont pris le poids. Ils ont pris le poids. Mon père vient d'avoir fui, donc ils ont attaché. Donc moi, je n'ai pas eu de goût. S'il vous plaît. Oui, à Fougou, hein. Oui, à Fougou. Donc on a un peu de goût, on a un peu de goût. Donc ton papa attaché là-bas. Donc moi, tu es au Batébé. Vous allez le manger. À quoi dit-il? À quoi dit-il? À quoi dit-il? Comment tu fais? Tu as mangé? À quoi dit-il? C'est Dieu qui a fait qu'on l'a attrapé, sinon elle va manger. Ouais. Bonne sorte graine pour tout. Là-bas, en tout temps, quel morceau? La baisse. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va pied, la main, c'est qu'on l'envoie en mission. À ma con, on va lui envoyer les soins. Elle a beaucoup de choses à dire. En cas où il dit, en cas où, hein. On va te délivrer. Ma yo, on entend, mais yo, on va prier pour toi. Le champ du monsieur est brûlé. Il est dans le malheur. Ma con, au bro, tous ses enfants sont quittés à l'école. Il faut tout mettre à l'école. Maintenant, on va le mettre dans sauce graine. Mais moi, on va quoi le dire? Pour le manger, pour tout. Mais on va quoi le dire, quoi? Dieu t'aime beaucoup. Lago Wame, hein? Amen. Lago Wame. Aujourd'hui, c'est la fin de ta vie. C'est la fin. Lago Isokame, la puissante main de Dieu te délivre ce soir. Lago Ona Sokato, ou ça se voit, mal qui il me. Je brise cette chaîne. Je libère ta vie dans le nom de Jésus. Je suis libéré. Amen. C'est Zika. Jésus te délivre. Détruis la sorcellerie dans ta vie. Je détruis la sorcellerie de ta vie. Je détruis la sorcellerie de ta vie. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je détruis la sorcellerie de ta vie. Allez! Esprit de la sorcellerie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Allez! Quitte sa vie. Allez, feu! Feu! Quitte sa vie!
la puissance de Dieu. Allez! Quitte sa vie! Allez, quitte sa vie! Allez, quitte sa vie! Quitte sa vie! Quitte son corps! Lâche-la! 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 Puissance de Dieu! Quitte son cœur! Je brise tout contact avec le monde de la sorcellerie. Je te libère maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère ton âme. Je libère ton esprit. Lâche-la. Toi, démon, qui en es l'esprit de la sorcellerie. Libère-la. L'esprit de la sorcellerie. Libère-la. Va-t'en. Va-t'en. Va. Allez. Sors. Sors. Quitte son corps. Allez. Sors d'elle. Va. Parce qu'en réalité, quand on lui donne, un esprit vient loger en elle. C'est cet esprit-là qui fait d'elle sorcière. Or, si elle a parlé qu'on ne chasse pas l'esprit, l'esprit est là, elle s'en va avec ça. Elle va continuer de pratiquer. Or, il faut que l'esprit sorte. Qu'elle soit, devient une personne normale. Même les deux petites lames, ça, celle-là et celle-là. Mais maman, moi, il sort. Les deux là, elles ont ça. Non, laissez-les. Aujourd'hui, c'est les enfants qui sont les plus dangereux. La puissance de Dieu te libère ce soir. La puissance. Allez! Allez! C'est ça que nous faisons. Puis les gens nous critiquent, les enfants de Satan. Sinon, un véritable homme de Dieu ne peut pas nous critiquer. Ce que je suis en train de faire, si c'est mauvais. La petite a attaché son papa. Elle a parlé, on l'a délivré. En quoi c'est mauvais? Pourquoi on dit le prophète, ce qui fait n'est pas bon? Pourquoi ce qui n'est pas bon? Chacun a son don. Le feu! Tu libères son corps. Tu libères son corps. Tu libères son âme. Tu libères son âme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère-la. Son âme. Libère son âme. Libère son âme. Au nom de Jésus. 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 Libère son âme. Libère son âme. Libère son âme. Voilà, lâche-la. Lâche-la. Va-t'en. Oui. Va. Quitte son corps. Quitte son corps. Quitte son corps. Va-t'en. Va-t'en. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus te libère ce soir. Sa puissance te libère ce soir. La puissance de Dieu. Elle est délivrée. C'est fini ça. Amen. Oh, Yamaou, à sa belle. La puissance de Dieu nous libère ce soir. Sa gloire se manifeste dans vos vies. Je détruis l'esprit de pauvreté et de non-aboutissement dans vos vies. Je condamne l'esprit qui vous empêche d'avancer. L'esprit qui vous empêche d'avoir de l'argent. L'esprit qui vous empêche d'avancer et d'évoluer. Ce démon-là est combattu ce soir. Cette nuit, la puissance de Dieu vous libère. Sa puissance vous délivre. Sa puissance vous libère. Sa puissance vous libère. Voici une dame qu'ils ont attachée, une fille qu'ils ont attachée, que la sorcellerie veut détruire. Il est déjà programmé pour le mois de juillet. Oui, dans le juillet, il est là au fou.
Tu n'as pas fait accident, tu as dormi, tu as pu te réveiller. Voilà, il me pique à l'accident, il me pique à l'accident. Mais Zoubalé, la gosse, ça m'a affirmé. Dieu te délivre ce soir. La gosse à mes reçois ta délivrance. La gosse à reçois ta délivrance. La gosse à mes ton âme. Lâche-la. On soit ma allez. Allez. Lâche son âme. Lâche son âme. Lâche son âme. Lâche son âme. Allez. Libérez-la. Vous libérez son âme. C'est un ordre. Lâchez-la. 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 Là, c'est une dame qui vient, une fille qui devait vivre en Angleterre, avoir son argent, ils ont gâté sa chance. Ils ont gâté ça. Mais Dieu te délivre. Jésus te délivre. Reçois ce soir ta délivrance. Cette nuit, Dieu te délivre. Oh, Jésus. Délivre. Jésus te délivre. Oh, Jésus. Oh Jésus, 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 Eli est la gauche, oh, on n'a pas moualé. Nous sommes en diamant la gauche, on a fait
puissance te libère. Sa puissance te libère. Sa puissance te libère. Sa puissance te libère. Sa puissance te libère. Allez sur les cantines, s'il vous plaît. Allez sur les cantines. La puissance de Dieu. Elle est là-bas, on n'en a pas mon allée. Dans mon sourire,
toujours, je demande, soit détruit. Le prophète ne fait pas comme vous voulez. Il fait selon l'inspiration de Dieu. Le prophète ne fait pas comme vous voulez. Il ne fait pas comme vous voulez. Il ne fait pas comme vous voulez. On va poser un acte. Ce qu'on appelle action prophétique. Et désormais, il si y a un sorcier qui va vouloir vous manger, il va s'enfler. Amen. Il va s'enfler. Oui. Il va confesser. Si il meurt, les petites terres, azom beaucoup qui vient alors, cachées dans azos sa chemin, comme les djula là. Dans ça, quand on noie, à bateau ça pouvouga. Tu le dedans. Encore pouvouga. Kabati. Parce qu'on y est pas dans vos zizo na contre. Tous ces péchés là. On a une union de mains. Vous n'êtes pas fait pour qu'on vous mange. J'ai un voyage en Canada. Il faut qu'une nation soit menée. Le idéal est de parler et ça m'a donné pour moi car ma foi. Ah oui, parce que c'est pas fait, ça va continuer. Parce que en y est donné. C'est une parole. On dit au commencement la parole est avec Dieu. Rien n'est dépassé la parole. Ce qu'ils allons déclarer, c'est ce qui va arriver. Et en même temps que nous prions, nous libérons tous les membres de la famille qui sont pris en otage par les sorciers. Ils sont pris en otage par les sorciers. Nous les libérons. Nous libérons leur activité. Dans le nom de Jésus. Qui représente la famille? Parle en dida dans ta langue. Pour dire, on a invité un homme de Dieu. Il est bien chaud, c'est bon. J'aime les gens, moi j'aime les gens. Maintenant, nous faisons une action pour que la bénédiction entre dans la famille. Faut qu'il soit démasqué. Foudroyé par Dieu. Vas-y. Ok. Pendant que tu parles, tu laisses. Il ne faut pas tout finir. Ok. Non, à la lago. Quand il y a on va courir. Aujourd'hui, nous avons appelé un prophète dans cette cour. Non, à mi pobutu, et compagnie au fou, il est pas bon. Tout ce qui est à côté de nous qui est mauvais, et puis Dieu va permettre que ces scores là soient commis. C'est lui qui a conçu cette cour. On la sait. Il est fatigué. Les travaux champêtres qu'il faisait. Mais Coco, oh, il peut voler Coco. Et à cause de lui-même, son travail de champ, voilà, faut qu'on faille. On l'a amené juste dans la mort. Il a laissé derrière lui des enfants. Les enfants qu'il a laissés aussi. La pauvreté, on les fatigue. C'est que moi, les sorciers, les fatigues. Il même pas que les enfants restent derrière les pères. On a créé Onyiriko pour élever son nom. Onyirimre à la qu'on l'a. À cause de ça, nous avons appelé un prophète pour que ces cordes soient coupées. Celui qui va venir ici pour dire que ma prophète a dit, mon prophète est grand, que lui pourra rien faire. Et à cause de Dieu, il m'a truit une prophétie. Si un sorcier parmi vous, il faut que ce dernier la meure. Qui dit que ses frères ne doivent pas rester derrière les pères. C'est ce que le prophète a dit tout à l'heure. Il n'a qu'à s'enfler. Amen. Il n'a qu'à s'éclater. Amen. C'est ce que le prophète a dit.
Nous sommes à une heure très précise. Et nous invoquons le grand Dieu. Le puissant Dieu. Le Dieu d'Israël. Qui a délivré Israël, la mère de Pharaon. Le Pharaon, oui. Il y a des pharaons dans cette famille. Et qu'on les enterre dans le nom de Jésus. Et que tous ceux qui étaient liés soient libérés par la puissance qui est le nom de Jésus-Christ. Et que dans cette cour soit pris une cour qu'on utilise pour préparer la chair humaine, de libérer cette maison au nom de Jésus. La chance de tous ceux qui sont de paix et de loi, je libère au nom de Jésus. À compter d'aujourd'hui, que la main de Dieu se mette en marche. La main de Dieu se mette en marche pour libérer cette famille et les membres de cette famille. Nous savons qu'en cas Élisée est rentré à Jéricho, ils lui ont posé un problème. Le sol est mauvais et les eaux sont stériles. Élisée a pris du sel qu'il a jeté dans 2 Rois, le chapitre 2, à partir du verset 19 à 21. Il a posé une action. Le prophète il pose une action. Cette action que nous venons de faire, de génération en génération, elle demeure dans le nom de Jésus-Christ. Je révoque toute forme de malédiction sur cette famille. Et la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Monsieur, tu te mets tout derrière. Celui qui va aller s'entendre avec les sorciers. Il doit mourir. Cette famille doit expérimenter. Tous ceux qui ne sont pas là, je prie aussi pour eux. Ici, le micro. Ici, c'est la source. C'est toutes choses. C'est la source qui est importante. Quand on veut gâter de l'eau, c'est la source. Quand on veut tuer un arbre, on tue d'abord les racines. Cette action, que nous avons posée, commence à avoir un impact sur tous ceux qui ne sont pas là. Il est en Côte d'Ivoire, quelque part dans le monde. Que la main de Dieu soit sur eux. Et que cette famille se démarque. Il faut que lorsque l'ange de l'Éternel est entré en Israël, ils avaient pris en otage. Ils ont mis ça dans le temple de Dagon. Dagon s'est prosterné devant l'arche de l'Éternel. Ils ont eu peur. Ils ont fait chasser l'arche de l'Éternel. Comme ça venait, Israël a commencé à danser. Il y a un monsieur qui a voulu arrêter, qui a voulu, parce que ça s'est guiné comme ça, qui a voulu attraper. Lui-même, Dieu l'a frappé. Parce qu'on ne peut pas aider Dieu. David a eu peur. David dit, mais c'est quelque chose qui tue. David a il allait même dans la maison de quelqu'un. Il dit non. Dans la maison d'un gars bizarre. Quand c'est rentré dans la maison du monsieur, le monsieur a commencé à être béni. Vous savez, quand on n'accepte pas un point de Dieu, là où il rentre, Dieu bénit cette maison. Dieu bénit cette maison. Que cette famille-là, se démarque de toutes les familles de Zébo. C'est pas un péché.
prière. Parce qu'on a demandé qu'on voulait prier pour le village. Vous, je prophétise sur vous ma bénédiction. Que vos situations se décantent. Que la bénédiction se déclenche chez vous. Je m'en fous de celui qui va juger ma prière. Je la fais comme je la ressens dans mon cœur. Parce que la prière, là, c'est comme on ressent ton prière. Si vous ne voulez pas partager Dieu, quand vous voulez qu'une seule famille bénéficie, c'est elle qui va recevoir la bénédiction. Je ne la mets pas hier. Non, 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 je ne la mets pas hier. On dit un gâteau, qu'est-ce que bon, on partage. Quand vous ne voulez pas partager le gâteau, ceux qui ont eu le gâteau, ils n'ont pas mangé. Donc la main de Dieu se répand sur vous. Que Dieu vous ouvre les portes. Amen. Les grands portes de bénédiction. Amen. On cherche les prophètes, prophètes crasseux partout. C'est vous qui le refusez. Demain, vous allez réfléchir. Vous allez chercher ma route. Quand vous allez venir, vous allez venir un jour. Vous dites, prophète crasseux, tout ce que vous cherchez, c'est là où vous allez voir qui je suis. Mais vous, la Bible dit, quand vous allez dans une maison, quand vous accueillez, je vous prophétise la paix. Je dis shalom sur votre vie. Shalom veut dire la paix en Israël. Que la paix de Dieu s'attache à vous. Cette famille. Que la mort soit loin de vous. Que la richesse de Dieu s'attache à vous. En qualité d'homme de Dieu, vous avez accepté. Vous m'avez reçu. Vous avez reçu tout mon équipe. Que la richesse ne manque pas dans cette vie. Que la mort soit loin de vous. Que la paix de Dieu soit sur vous. Aujourd'hui, le sorcier qui va vous regarder avec aide de sorcellerie, que Dieu casse son œil. Au nom de Jésus. Celui qui sent votre odeur, quand votre odeur devient acide dans ses narines, il n'a qu'à avoir cancer de cerveau. Parce qu'il y a viande là-bas. Vous ne devez plus être des viandes de sorcière. À partir d'aujourd'hui, tous ces périmètres sont sous le contrôle de la puissance de Dieu. Heureusement que vous avez fui votre canari. Mais là où il y a le canari, vous mettez le sorcier. Quand vous préparez, vous meurez. Et sortez de nous là-bas. Au nom de Jésus, que vos enfants deviennent prospères. Vos enfants désormais qui vont à l'école, qui sont les plus intelligents. Et que le bonheur entre dans cette famille. Que la main de Dieu soit sur vous. Et au nom de Jésus, la prière, on dit amen. Amen. Je lui demande quelque chose à Dieu, qu'il va t'en avélir, qu'il va pleurer. Je lui demande quelque chose à Yahvé, qu'il va t'en avélir, qu'il va pleurer. Est-ce qu'on peut l'acclamer Jésus? Est-ce qu'il y a une palaise là, la volume là? Amen. Je prophétise sur vous tous cette classe ce matin. Cette nuit, que la main de Dieu soit sur vous. Et que celui qui vous envoie rencontre la main de Dieu. Et que Dieu combat ceux qui vous combattent. Et que la puissante main de Dieu réalise le son conseil dans votre vie. Que la puissante main de Dieu combat ceux qui vous combattent. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare sur vous le mariage, la prospérité, la gloire et l'élévation. Je suis dans l'eau. Si on s'en est,
Kuwa na waka kuwa, kuwa na waka kuwa, kuwa na waka kuwa, kuwa na waka kuwa.